Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va passer au changement de couleur de Tracassou. Donc on va poser le covering. Et donc je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve à la fin de la vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu l'adhésif et le matériel qu'il faut pour poser du covering. Bon voilà, donc on est à la pose du covering. Donc là j'ai préparé mes plaques pour faire ça le plus lisse possible pour éviter d'avoir des défauts après, une fois que l'adhésif va être posé. Et puis on va attaquer ça. Hein. Voici en résumé pour ceux qui nous découvrent. Notre histoire a démarré en 2016 à l'achat de notre premier camping-car, un vieux Ford Transit MK2 avec une cellule Gruo, qui après son acquisition, on a découvert qu'il était incapable de partir en vacances. Voilà comment on a commencé nos départs d'aventure sans savoir que Nico en prendrait du plaisir et que cela signait le début d'une aventure. Depuis, nous publions des vidéos sur la rénovation de notre troisième camping-car et celui-là a été détruit et reconstruit de ses mains. C'est vos retours et les échanges que nous créons qui nous motivent vraiment. Au final, c'est grâce à vous. Alors merci. Falling through the dark night and through time towards the light when you'll be mine. I think about us, I know the dawn is for us. I dream about us, I dream about the stardust.
Used to be home, passing by those little towns I know so well. Stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away. High and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. Neon lights in the fast lane, life riding high, reaching for the sky. I had it all but lost and fell back down again. Spent my time playing the game, where every single day was a losing battle and every drink was a dead end. Control. I'm living fast, I've lost my soul. I'm driving to get away. Running through emotions high and low. Holding on or letting go. I'm fighting another day. Un petit peu comment j'ai pratiqué pour la pose de l'adhésif, parce que c'est quand même des grands adhésifs, je sais pas si vous voyez. Donc l'adhésif sur Tracassou, parce que ma machine n'est pas suffisamment grande pour faire je sais plus la taille exactement sur la hauteur, mais du coup j'étais obligé de le faire en deux parties parce que je suis limité à 2m20. Donc du coup il va y avoir une petite baguette entre les deux, qui va certainement être une petite baguette chromée que je vais installer entre les deux pour faire la jointure entre les deux adhésifs. Voilà, donc pour la pose,
J'ai différents outils que je me sers. De toute façon, on ne le fait pas toujours. Avec un adhésif chromé, là. C'est exceptionnel parce là, que. Là, c'est pour nous et voilà, on avait envie de faire ça comme ça. Oui. Mais il y a possibilité d'avoir des grands adhésifs qui fassent l'intégralité. Oui. Alors, pas en impression comme c'est fait là. Hein? Non. Les grands adhésifs, c'est quand c'est de l'adhésif découpé. Parce que là, j'ai une autre machine qui est beaucoup, beaucoup plus grande et qui me permet de faire toute la hauteur. D'accord. Alors, en impression, je suis limité à 2 mètres 20. Donc, les outils que j'utilise, parce que sur Tracassou, j'ai pris un adhésif en fait qui sert pour tout ce qui est signalétique. Donc, c'est un adhésif permanent. Qui est laminé avec un adhésif laminé en mat, hein. C'est-à-dire que l'adhésif fini a une finition mat. Laminé, qu'est-ce que tu entends par laminé ? Laminé, c'est qu'il y a une protection en fait qui est rajoutée par-dessus l'adhésif pour les UV. Voilà, donc la couleur ne bougera pas au moins pour les 7 prochaines années. Voilà. Donc pour la pose, du coup, je fais comme sur des panneaux, une chose que je serais pas forcément obligé de faire si c'était vraiment un adhésif de covering sur véhicule, où on peut tirer sur l'adhésif. Là, celui-ci, on ne peut pas vraiment tirer dessus. Donc pour éviter d'avoir des bulles dessous, des bulles d'air, le principe, en fait, c'est de vraiment mouiller la surface. Là, en l'occurrence, mes plaques alu, donc je les ai bien poncées, que le support soit hyper lisse avant. Donc on mouille un maximum. Et avec la raclette, quand on pose l'adhésif, on vient chasser les bulles d'air. Recommence. Désolé. On vient chasser les bulles d'air de façon à éjecter sur les côtés et tirer l'adhésif en même temps. Et à la fin, pour détourer, tout ce qui est fenêtre, l'excès d'adhésif qu'il peut y avoir sur les angles. Voilà, j'ai un petit scalpel qui me permet de découper proprement mon adhésif. Et pour chasser après vraiment les micro-bulles qui pourraient rester encore sous l'adhésif, on vient passer un petit coup de décapeur thermique. Pour justement le fait de passer le décapeur, ça chauffe l'adhésif et ça fait adhérer et chasser les bulles. Voilà le principe de pose du covering. Et là donc, il te reste quoi à faire là sur Tracassou ? Donc là sur Tracassou, j'ai encore la peinture à l'avant, hein, n'est-ce pas ? Je sais pas si vous avez vu, mais c'est pas fini. Voilà. Et puis j'ai les meubles à monter à l'intérieur. J'ai fait découper des planches pour mes meubles. Maintenant, il ne me reste plus qu'à assembler ça. C'est un vrai puzzle. Ok. Et poser tes baguettes, non ? Mes baguettes, que j'ai enfin reçues. Ouais. Depuis le mois de... Avril. Début avril, je crois que je les avais commandées. Donc, elles sont enfin arrivées. Donc, je vais pouvoir les poser sur le toit pour finir l'étanchéité du toit. J'ai mes baguettes aussi pour faire le tour du camping-car sur les côtés, que je vais aussi pouvoir poser. Voilà, ben, ça va peut-être avancer un peu, quoi. Ok. Et tu peindras tes fenêtres en même temps. Non, ça y est, j'ai la couleur. J'ai pris ce matin. Ah, d'accord. Voilà, donc je vais pouvoir poser aussi les fenêtres. Ok. Voilà. Et j'ai ma porte à finir aussi. Je vous montrerai la porte dans une autre vidéo. Parce que du coup, j'ai complètement démonté la porte. Voilà. Mais désassemblé la porte. Et ça, je l'ai filmé. Ouais, c'est pour ça. Tu le mettras pas dans ce vidéo ? Non, je pense pas. Genre, je mettrai ça avec certainement mes baguettes. Voilà. On fera une vidéo de tout ça. Ok. Bon voilà,
Bah, Tracassou, le covering est fait. Donc, il se retrouve avec ses couleurs. Bah, j'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider si vous voulez vous poser des adhésifs, hein, ne serait-ce que des petits adhésifs, parce que le principe est le même. Et puis, bah, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, des petits pouces, à faire des commentaires surtout, et puis à partager nos vidéos. Bon allez, à bientôt, salut à tous. On vous remercie pour tous vos commentaires bienveillants et sympathiques. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, mettre des petits pouces, ça fait plaisir et motivant. On a un compte Insta pour les infos en live. Pensez à partager nos vidéos. Salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo.